Insulte raciste contre Vinicius, un supporter du club de foot de Majorque condamné à 12 mois de prison. Un supporter du club espagnol de Majorque a été condamné ce jeudi à 12 mois de prison et 3 ans d'interdiction de stade pour des insultes racistes visant Vinicius Junior et Samuel Chukwuez. La justice espagnole a frappé fort. Un supporter de Majorque qui avait proféré des insultes racistes à l'encontre de l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior en février 2023 au stade Somois, avant de récidiver 15 jours plus tard, cette fois à l'encontre de pour l'ex-joueur de Villarreal Samuel Chukwuez, a été lourdement sanctionné. Le tribunal de Majorque l'a condamné au total à 12 mois d'emprisonnement, assorti d'une interdiction de pénétrer dans un stade de football pendant une période de 3 ans, incluant les rencontres organisées par la Ligue de football professionnel et par la Fédération royale espagnole, selon le Real Madrid. Sa peine a néanmoins été allégée par rapport à celle requise par le procureur, après qu'il a écrit une lettre d'excuse à Vinicius. Il a été reconnu coupable de 2 crimes contre l'intégrité morale, aggravés par le fait d'avoir agi avec des motifs racistes, écrit le club madrilène dans un communiqué. Selon le président de la Liga Javier Tebas, le supporter a été condamné 2 fois à 6 mois de prison et 1,5 an d'interdiction de stade, pour les insultes ayant visé Vinicius d'une part, et Chukwuez de l'autre. C'est le résultat du travail que nous avons accompli ces dernières années pour éradiquer la haine de notre football et nous continuerons à le faire. Il n'y aura pas de cri ou de chant raciste dans un stade sans condamnation pénale, a promis Tebas sur X. Il s'agit de la 3e condamnation pénale prononcée ces derniers mois pour des insultes racistes à l'encontre de joueurs du Real Madrid, en particulier Vinicius Junior, victime de nombreux incidents du même type dans plusieurs stades depuis son arrivée en Espagne en 2018. Figure de la lutte contre le racisme dans le football, Vinicius a été visé à plusieurs reprises ces dernières années par des insultes lors de rencontres sportives. Mais seuls les incidents où les accusés ont été clairement identifiés ont donné lieu à des sanctions. Selon le Real Madrid, un mineur qui avait également insulté l'international français Aurélien Tchouaméni lors du match Majorque-Real Madrid le 13 avril dernier s'est excusé et s'est repenti de son comportement, et a accepté de réaliser les activités socio-éducatives proposées par le ministère public de la juridiction des mineurs. Il est lui aussi interdit de stade pendant 1 an.